Merci à vous tous. Heureux de vous retrouver donc pour notre 10e séminaire, dont le thème sera ce soir Jacob, Israël et Yeshurun. Alors, pourquoi ce sujet? Est simplement parce que il y a de cela 15 jours, nous avions parlé de Jacob très très rapidement en fait à notre dernier séminaire. Et à la suite de ce dernier séminaire, j'avais reçu plusieurs lettres en fait, me demandant d'expliquer donc les trois noms de Jacob. Jacob, Israël et Yeshurun. Yeshurun qui est en fait beaucoup moins connu que Jacob et Israël. Donc voilà donc la raison de notre séminaire ce soir. Donc nous essaierons d'étudier donc ces trois noms, la signification de ces trois noms et en quoi ils reflètent l'histoire et l'évolution de Jacob à travers le temps. Notre bénédiction. Baruch. Je vais prendre un pointeur. Baruch. Adonai. Adonai, notre Dieu, roi du monde, nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné les paroles de la Torah. Notre premier verset donc, de notre séminaire. André? Oui. Oui, bonsoir André. Comment vas-tu? Un écho. Je vais demander de fermer le micro. Une seconde. Voilà. Alors, André, si tu m'entends? Non, j'ouvre ton micro, voilà. André? Oui? Oui, on se retrouve. Ok. Bonsoir André. Shalom, comment vas-tu? Ok. Baïra Kacha, une tourlée. Si tu peux le dire le verset. Baïra. Yatakov. Meod. Vaïtser. Vayetser, Lou, Vaya, Rat. Parfait, Vaya, Rat. Atsam. Et Aham. Aham. Attention, Aham. Ne pas confondre avec le Tzadé. Oui. Asher, Ito. Soir. Attention, le petit cholam, tu retrouves le cholam ici. Atsu. Le petit point, tout à fait le petit point entre le tadé et le alef. Atsu. Atson, d'accord. Le cholam. Atson. Exact. Réel. Ah, Bekar. Abakar. Bakar. Ah. Kamat. Sefalim. Bekor. Atsemalim. Vagemalim. Vagemalim. Agemalim, d'accord. Un guimel ici. Attention. Vagemalim. Parfait. Alors, Jacob fut fort effrayé et angoissé. Il divisa sa famille. Attends, tu n'as pas fini le verset. Ah non, j'ai pas fini. Vagemalim. Lishnei. Lishnei. Ma, Mahanot, c'est parfait.
La traduction, André. Jacob fut fort effrayé et angoissé. Il disait à sa famille, c'est-à-dire le peuple qui était avec lui, le menu, le gros bétail et les chameaux en deux camps. Ok. Est-ce que André, tu pourrais nous rappeler le contexte de ce passage? Non. Ok. On va demander à nos amis. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait nous rappeler le contexte de ce passage? Rappelez-vous dans quel contexte se situe ce verset? Je vais éventuellement prendre la parole, c'est Hervé. Bonjour. Bonsoir Hervé, comment vas-tu? Shalom, Hervé. Merci André. Jacob avait quitté son frère Ésaü dans des très mauvais termes. Ésaü avait juré sa perte, hein, il avait dit que dès que ses parents seraient morts, il le tuerait. Donc il avait fui, Rebecca l'avait fait fuir. Et de ce fait, il était toujours dans cette angoisse de rencontrer à nouveau son père, qui avait peut-être toujours les mêmes dispositions à son égard, c'est-à-dire des dispositions meurtrières, donc il craignait. Et en plus, ce n'était pas un homme de guerre, Jacob. Tout à fait. Alors, la question, tout à fait, c'est parfait. Hervé, alors la question que je pose, vous voyez, attendez, Michel, tu pourrais fermer ton micro, Michel, il y a un bruit de fond. Oui, merci. Ah, il y a un bruit de fond. Oui, merci. La question que je pose, regardez bien, point d'interrogation. Hervé, je reviens à toi. D'accord, tout ce que tu viens de dire est très très juste. La question qu'on peut se poser, on est en droit de se poser, pourquoi Jacob craint-il donc la rencontre avec Esaü, avec son frère? Il avait volé la bénédiction de son frère, de leur père. Oui, bonsoir. Oui, d'accord. Mais rappelez-vous, je vous rappelle, donc j'ai fait la place de mettre le verset en Genèse 28, 15, rappelez-vous. Dieu pourtant dit à Jacob, alors si vous avez une Bible sous les yeux, regardez très rapidement, Dieu lui dit, Ine anochi immach. D'accord, je suis avec toi. Les craintes. Logiquement, ah oui. Jacob ne devrait pas avoir peur, son frère. Raïm, Dieu leur a dit. Il manque de confiance. Il manque de confiance. Et pourtant, Dieu lui a dit, n'aie crainte. Je suis avec toi. Genèse donc 28, verset 15. Donc, on est en droit de se poser la question. Manque de confiance et de foi. Je peux parler, oui. Mais si je peux quand même ajouter quelque chose, c'est que Michel. On lui dit que Ésaü se présente avec 400 hommes. Vers lui, et c'est pour ça qu'il est effrayé et angoissé, parce que lui est entouré de serviteurs et de toute sa famille, en fait. Tout à fait, d'accord. Femmes et enfants, voilà. D'accord. Tout à fait juste. Je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Shalom, Chaim. Chaim. Okay. Alors avant son arrivée, sa crainte, comme il a dit que Dieu a dit je suis avec toi, mais souvenons-nous que Jacob venait de la maison de Laban, où il a fait des exploits, des miracles, disons. En arrivant devant Esaü, lui pensait qu'il avait perdu toute la puissance que Dieu l'a donnée. Il a tout consommé dans la maison de Laban. Il a eu un peu peur d'avoir tout perdu de cette puissance qu'il avait eu auprès de Hachem. C'est okay. Ça. Raïm. Ok. Oui. C'est Pascal. Merci beaucoup. On note. Oui, Pascal. Bonsoir, Pascal. Bonsoir Raïm et bonsoir à tous. Bien. Pas... Moi, je pense que Jacob n'a pas peur pour lui et les siens. Il a peur pour sa descendance. D'accord. D'accord. C'est intéressant parce que vous voyez, regardez bien dans le texte, biblique, nous avons âme. Ça rejoindrait un petit peu ce que dit Pascal. D'accord. On traduit généralement par famille. Alors qu'en fait, là, nous avons toute idée de peuple. Vous voyez, déjà, à travers la famille, donc les enfants et, Jacob, nous retrouvons l'idée de peuple. Vous voyez, âme. Intéressant. Ok. Alors, ce que je vous propose, on va continuer, d'accord, et nous espérons par la suite de répondre à la question. Vous verrez. Ok. On va demander à
Qui veut lire? Gildas. Bonsoir Gildas. Tu m'entends Gildas? Bonsoir. Oui, bonsoir Gildas, comment vas-tu? Ça va bien. Je tiens tout d'abord à m'excuser, d'accord, auprès de ceux et de celles qui ne pourront pas lire ce soir, d'accord, par manque de temps tout d'abord. Là, il n'y a pas de problème, d'accord. Vous êtes bien avec nous et je m'en excuse par avance. L'honora. L'honora. L'honora va l'attendre. Ok. De voir à ça. Gildas. A-t-il ni la Mian? Oui. Harry, Miyad, et Sav, qui Yahweh, non, c'est pas le même nom de terre, Anoki, très très bien, Anoki, Otto. Attention au Roland. Otto, tout à fait. Père. Pen. Pen. Oui. Yabo. Gani. Parfait. M-Al-A-Nim. Ok, Gildas, je reprends le verset. Atile Nina, Miyad Ahi, Miyad Esav. Qui Yare Anochi, Oto. Pen Yavo, de Itkani, M Albani. Traduction, Gildas. Sauve-moi de grâce de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il ne m'attaque et ne me frappe, joignant la mère aux enfants. Très bien. Alors, là, vous voyez, nous retrouvons le verbe craindre. Yud Ramesh Resh Aleph. La crainte donc de Jacob. Alors, qu'est-ce que fait Jacob? Première chose qu'il fait, c'est Gildas, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il divise sa famille en deux. C'est vrai, mais regarde bien. Ah, il s'adresse à Il s'adresse à Dieu. D'accord? La prière. Il utilise la prière et il demande à Dieu donc de venir à son aide. Tout simplement, vous voyez? D'accord? Donc Jacob est angoissé, il a une difficulté qu'il doit surmonter. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à Dieu. Et merci Gildas. On va demander à Isabelle. Isabelle? Oui, shalom. Shalom Ouracha, bonsoir. J'ai une question, juste une petite question, c'est possible? Oui, d'accord. Oui, à Isabelle, oui. Oui, Pascal. Oui, juste une seconde. Il y a Anori qui est utilisé dans le verset précédent. Je pensais que c'était que pour Dieu, en fait. Non, non. On trouvera Anori aussi pour l'homme. Il n'y a pas de problème. Merci. C'est vrai que Anori, généralement, je sais que tu n'es pas le seul à poser cette question, très très généralement on me pose la question, on croit généralement que Anochi s'applique à Dieu, non, à travers le texte nous verrons que Anochi s'applique à Dieu. Alors. D'accord, merci. Merci Pascal. Anochi c'est l'homme droit. Ok, Isabelle? Oui. Oui, bonsoir Isabelle. Bonsoir. Shalom. Ok. Shalom. Ok, alors, je te demanderai de lire le verset si tu le peux, nous continuons. Non, parce que moi, en fait, j'avais commencé à faire le cours d'hébreu, mais je n'avais pas terminé, et puis ça fait déjà un moment, alors je ne sais plus lire. D'accord, ok, alors tu restes avec nous. Désolée. Il n'y a pas de problème. On va donner merci, Isabelle, bonsoir en tout cas à toi. Mais je reviendrai, mais pour l'instant... Il n'y a pas de problème. Non, mais... Ok, merci à toi. Jean-Claude? Oui. Jean-Claude Meyer? Salam à tous. Oui, bonsoir Jean-Claude, comment vas-tu Jean-Claude? Ça va très bien, je te remercie. Ok, cher Jean-Claude. Beata, Amarta, Etev, Etev, Etiv, Imar, Vesam, Ki, Et, Zav, Ara, Kerhol, Ayam, Asher, Loum, Issafer, Erov. Pourtant, tu as dit, je te comblerai de pavins, et j'égalerai ta descendance au sable de la mer,
dont la qualité est incalculable. Dans la quantité, hein. La quantité est incalculable, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe là, Jean-Claude? Qu'est-ce que fait Jacob cette fois-ci pour avoir l'aide de Dieu? Il rappelle les bénédictions que Dieu lui a promis et qu'il lui a déjà données. Mm-hmm. Il a donné à qui? Regarde bien. Lisons ensemble le verset qui se trouve tout à fait en dessous, ici. Vous voyez? Qui paraît... Nous sommes à Genèse 32, 13. D'accord? Vous êtes bien d'accord avec nous? Avec moi? Et qu'est-ce qu'il va faire donc, Jacob? Il va s'appuyer donc sur la promesse divine, qui se trouve en Genèse 22, 17. On va cacher un? Oui. Qui paraît... Et leur erreur, qu'erreur bé, un chemin, l'erreur folle, ma chère, elle, c'est pas un gamme. Très bien. Traduction, Jean-Claude. Je te comblerai de mes faveurs, je multiplierai ta race comme les étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mer. Ok. Quels sont les mots que nous retrouvons ici, dans ce verset et que nous avons au verset précédent? C'est la descendance qui égale le sable de la mer. Exactement, vous voyez, nous retrouvons, regardez, nous retrouvons le sable, ici, et la mer. Et nous retrouvons, d'accord? Ce que va faire Jacob, donc, pour s'assurer, donc, l'aide de Dieu, il va tout simplement, ici, donc, se servir, si je puis dire, entre guillemets, de la bénédiction divine, de la promesse divine, qui avait été faite, donc, à son grand-père. Abraham. Abraham. D'accord? Alors, redonnez cela, vous allez voir pourquoi. Suite. Merci. Merci à toi, Jean-Claude, c'est parfait. Voilà. Donc, nous allons passer à ces versets. On va demander à Manhattan. Manhattan? Ok. J'ai dit que Manhattan veut lire. Très bien. Il attend impatiemment. va à Martem Gam Inne Avdera Yaakov à Rareni qui qui amar arpera panav panav baminra a olehet le panai ve arare ken panav ulai isai panai. C'est parfait. C'est parfait. Très très bonne lecture. La traduction. Et vous direz, voici que lui-même, ton serviteur Jacob, nous suit, car il disait, je vais rassérener son visage par les présents qui me devance, et puis je regarderai son visage, peut-être deviendra-t-il bienveillant pour moi. Très bien. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur ce verset, Manhattan, par rapport au verset précédent? Par rapport au verset précédent, Jacob s'écroule devant son frère. Oui. Parce que c'est comme si il n'a plus confiance à l'Éternel. Attention, Manhattan. À ce stade-là de l'histoire, Jacob n'est pas encore devant son frère. D'accord? Il craint la rencontre avec son frère, mais il n'est pas encore avec son frère. Ok. D'accord? Nous avons vu au verset précédent qu'il se met donc à prier, il s'adresse donc à Dieu, pour s'assurer donc l'aide de Dieu, d'une part, et il s'appuie sur la bénédiction donc
d'Abraham. Premier point. Deuxième point, nous voyons ici autre chose. Nous voyons que, qu'est-ce qu'il fait? Cette fois-ci, il use donc d'un autre stratège. Il envoie un cadeau à son frère. Regardez bien le terme cadeau ou offrande. C'est mincha. Mincha ici. Mincha, dont la racine est Regardez bien. Noach. Ah, encore que. Comme Noach. Noé. Vous voyez, Noach. Noach. C'est le repos. C'est le repos. D'accord? L'idée de paix, de tranquillité. Donc, il croit, Jacob croit, qu'en offrant donc, un présent, c'est-à-dire, vous vous rappelez, des moutons, des troupeaux, etc., à son frère, il croit donc s'assurer donc la paix avec son frère. Noir, vous voyez, c'est la même, c'est la racine, qui donnera donc le terme de mincha. Ok. Vous voyez? Donc, vous voyez, donc, ce qui se passe ici, c'est que Jacob donc, vit dans la crainte de rencontrer son frère. Donc, il use donc de deux moyens. Le premier moyen, c'est la prière. Le deuxième moyen, c'est le cadeau. La question, est-ce que cela est nécessaire pour apaiser donc la colère de son frère? La vindicte de son frère, nous allons le voir. Okay. Merci à toi, Nathan. Merci, merci. Michael? Michael? Non, Michael a quelques difficultés. Je vois. On va demander la parole à Salia. Salia? Michael, désolé. Un problème technique avec toi. Oui? Et Salia, bonsoir. Bonsoir. Attends, Salia, une seconde. Je vais couper les micros parce que nous avons un problème. Voilà. Voilà. Bakasha, Salia. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas? Non. Ah, on entend très très bien, pourtant. Bon. Tu es en ligne? Non. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Ok. On va donner la parole à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste? Tu m'entends? Jean-Éric, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Très très bien, bonsoir. Jean-Éric ou Jean-Baptiste? Jean-Baptiste? Moi c'est Jean-Éric. Ah, Jean-Éric, ok. Les journaux apparaissent. Ok, Jean-Éric, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On se tutoie, d'accord? Je me permets de tutoyer? Oui, aucun problème. Aucun problème, merci. Ok. Comme en hébreu. Ok, on va dire ensemble le verset suivant. Ok. Vayakob balayla hu vayaka et vayikar et c'était basham, c'est ça? Nashav, tout à fait. Bashav, Vet, Setev, Shiftotav. 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 Vet, Ahad, Sa. Sassar Yiladav va yatsi va yavor. Nous avons ici un Aïn. Aïn. Excusez. Va yavor et ma'abar. Oui. Yabok. C'est un des passages les plus célèbres du livre de la Genèse concernant Jacob. Traduction, Jean-Éric. Il se leva, quant à lui, pendant la nuit, il prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants
et passa en traversant le gué de Yabok. Très bien. Que pouvons-nous dire sur ce passage, hein, Eric? Est-ce que tu aurais quelque chose à... Oui, ce que je vois, c'est que avant, la première chose qu'il faisait, il priait, hein, et deuxièmement, il envoya un présent, puis troisièmement, pendant la nuit, donc il envoya ses deux femmes, ses servantes et ses enfants avant lui, avant qu'il passe lui-même. Mmh. Ok, alors, question et une remarque plutôt. Nous allons voir qu'en fait, la prière dans le cas de Jacob, quand je rajoute à ce que tu viens de dire, Jean-Éric, je complète. Nous allons voir que la prière de Jacob et le présent envoyé à son frère Esav ne suffiront pas. Et c'est donc l'histoire du passage de Yabok qui va donc nous renseigner, nous donner des éléments supplémentaires à propos donc de cette question, ce lien qu'il y a en fait entre Jacob et Esav. Alors, via avant, vous voyez, il y a ici un passage. Alors, je vous rappelle que l'histoire de Jacob, en fait, est comment dire, préfigure, si je puis dire, l'histoire de toute l'histoire d'Israël. Regardez bien, ce passage-là, l'idée de passage, nous rappelle l'histoire d'Abraham. Je vous rappelle Abraham à Ivry. Vous vous rappelez que Abraham est appelé l'hébreu, qui veut dire donc le passant. Nous retrouvons cette histoire de passage avec Jacob. Vaya avor, et ma avar yabok. Alors, c'est intéressant, c'est, j'ai essayé de chercher l'origine, la racine du mot yabok. Mais je n'ai pas trouvé grand chose dans la tradition, dans nos livres. Je me suis rapporté à la concordance biblique. Et en fait, la racine de yabok, c'est intéressant, c'est bakak. C'est avec les noms dans la Bible, ont une signification. D'accord ? Les noms de lieux ne sont pas seulement des noms de lieux, mais en représentant aussi, reflètent une idée donc spirituelle, ou un état intérieur. Alors, il y a des bakak, qui veut dire en fait détruire, anéantir. Vous voyez ? Donc ce que nous voyons là, c'est que Jacob va traverser donc un passage qui est lié à l'anéantissement, à la destruction, et il le passera. D'accord ? Ce qui donc nous rappelle quoi ? Toute l'histoire de Jacob. C'est que l'histoire de Jacob est une histoire tragique, finalement. Une histoire difficile. Jacob est le patriarche qui souffrira certainement le plus. Si nous comparons son histoire à celle d'Abraham et à celle d'Israël, c'est bien lui qui souffrira le plus. Vous vous rappelez avec sa fille Dina, il a souffert avec Esaü, avec Lavan, avec sa fille Dina. Voilà. Donc il passera un passage qu'on appelle Yabok. Et ce Yabok, quand, si vous avez une concordance, je vous invite à aller chercher donc à la racine Bakak, et vous verrez le sens de cette racine qui veut dire détruire, anéantir, vider. Et nous verrons que Jacob donc passera ce Yabok. Et qu'est-ce qui se passe à ce Yabok? Qu'est-ce qui se passe? Là, on va demander, merci à toi Jean-Éric. Oui. Merci beaucoup. On va demander à Carole. Alors, Carole, bonsoir Carole. Bonsoir. Bonsoir Carole, comment vas-tu? Bonsoir. Ok. Une question. D'après le texte, si tu as lu le texte, quand je m'adresse à toi et à tous nos amis, nous avons ici trois tableaux célèbres. Un de Gustave Doré, un de Jeanne de la Croix et un de Rembrandt. Est-ce que d'après toi, alors je m'adresse aussi à tous nos amis présents ce soir, est-ce que d'après toi, ces trois tableaux représentent le texte biblique? Est-ce qu'ils reflètent le sens littéral, je dis bien littéral, du texte biblique? D'accord? Je mets l'accent sur l'ange. Regardez bien. On n'entend pas Salé, hein? On n'entend pas. Il y a un problème technique.
J'entends Carole. Attendez, pas. Dans le texte, il n'y a pas d'ange, c'est un ish. Oui. C'est un homme, c'est pas un ange. Intéressant ce que vient de dire. Aaron, c'est Aaron? Tiens, shalom les coulards. On va tuer Aaron. Bon. Ce que vient de dire Aaron, c'est intéressant. Khaïm? Khaïm? Oui, oui. Je vais ajouter quelque chose. On dit que, bon, Jacob, ici, il se combattait avec le mal des saves. Oui. L'ange de l'Esav. Donc, le côté mal de l'Esav. D'accord. Mm-hmm. Alors, ce que tu viens de donner là est une explication du Midrash, d'accord, de nos sages. D'accord. C'est une très très belle explication, mais je tiens ce soir à m'en tenir au texte. Regardez bien. Regardez bien. Ce que vient de dire Aaron, c'est intéressant. Aaron, je reviens à toi. Ah, Aaron, tu m'entends? Tu nous entends? Ah, Aaron? Non, Aaron ne nous entend pas. On va demander. Voilà, à... c'est bon là. Ah, Aaron? Quelqu'un, je suis là. Ouais. Ok, reste avec nous. Ok, je te donne une très bonne réponse. Oui. Alors, de lire le verset. Va Yévater et Yaakov, Levado, va Yéavec. Va Yéavec, Ish. C'est à tout, Ish. Aïmo, Ad Alot, Ashachar. Très très bien. Alors, qu'est-ce que tu disais donc à Aaron? Je voudrais que tu répètes ce que tu viens de dire. Alors, je disais que nulle part on parle d'un ange malach, malachim, on parle d'un homme. Ish, c'est un homme. Ish au masculin, isha au féminin. Donc c'est bien un homme. Exactement. Donc dans tous les tableaux, on voit des anges avec des ailes. C'est une interprétation, je ne sais pas d'où elle vient. Pourquoi on a partout mis des anges? Et donc, alors il y a... Alors d'abord, regardez bien. Première remarque, toujours attachez-vous au texte. D'accord? La lecture littérale du texte. Attendez. Ok? Attendez, je vais fermer les micros. Nous avons un bruit de fond. Oui, oui. Voilà. Ok. Tout d'abord, première remarque. Et toujours, il faut toujours s'attacher à la littéralité du texte. Dire le texte tel qu'il est. Vous voyez? Alors, pourquoi Ish a été interprété, traduit par ange? Parce qu'il y a en effet de texte dans la Bible où le terme Ish signifie ange. Dans le livre de Daniel, si je ne me trompe, mais à Ish Gabriel. On parlera de l'ange Gabriel sous le terme de l'homme Gabriel. Il y a des textes, plusieurs textes dans la Bible, dans le Tanakh, où les anges sont appelés Ish, certes. Mais dans le texte ici, ce soir, j'aimerais m'attacher, vous voyez, à l'idée de Ish d'homme. L'homme, simplement homme. Première remarque. Donc, deuxième remarque, Aaron, je reste avec toi. Est-ce que tu pourrais ouvrir ton micro? Aaron, ouvre ton micro. Voilà, je suis désolé, j'ai les petits-enfants qui font les vidéos autour de moi. Non, c'est bien, il y a de la vie, comme on dit. Ils écoutent, c'est bien. Non, c'est très très bien, ok, c'est super. J'aimerais que nous traduisions ensemble, bailler avec. Avec. Aïmo, Aïm. Où, donc le va final, c'est l'abréviation de où, lui, et Aïm, c'est bien avec. Oui, d'accord. Là, tu as raison, c'est avec lui. Avec lui, Ad, jusqu'à. Alos. Oui, pardon, j'ai pas compris ta question. Bon, la question, non, c'est, j'aimerais qu'on s'attache à traduire le verbe bailler avec. Ah, pardon, bailler avec. Alors, ça, c'est très intéressant, en effet, parce que on a une racine, Aleph, Bet, Kouf, qui, à mon avis, avac, c'est collé, non? C'est non? Parfait. C'est bien alors, ça, hein, en hébreu moderne, dévec, c'est de la colle. Alors, dévec n'est pas tiré. Ah, bon, alors, d'accord. N'est pas tiré de... Non, exactement, dévec n'est pas tiré de ce verbe, d'accord? Mais tu as raison, le verbe avac, aleph, bet, kouf, en araméen. Non pas en hébreu, en araméen, d'accord, veut dire coller, embrasser, coller, adhérer.
il y a donc une adhésion. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion de cela ? Vous voyez, en français, le texte traduira par lutter, ce qui est juste. D'accord ? Là, en hébreu, la racine Aleph Bet Kouf voudra dire lutter. Mais en araméen, d'accord, la traduction est très très bonne. Ce que tu viens de dire, c'est très juste, Aaron, ça voudrait dire coller, adhérer, embrasser, étreindre. Alors, il y a donc une idée d'étreinte. Donc, si nous changeons la traduction de lutter en étreinte, Aaron, comment on traduira ici? Oui, un homme vaillé avec. Alors d'abord, est-ce que c'est un passif ou pas? Je crois pas. C'est un ictol, c'est un va-ictol. C'est un va-ictol. C'est un va-ictol, donc ce n'est pas va-ictol. Un passif. Donc, c'est l'homme qui l'a étreint, alors. Exactement. D'accord. Donc, regardez bien. Avec lui. Il s'est étreint avec lui, alors. Daniel, Chaim. Oui. Si on traduit en araméen collé, c'est-à-dire il se combat, il se bat avec le mal qui est en lui, qui est collé en lui, parce qu'on voit aussi l'évado. Donc, Manhattan, tu viens toucher au point, voilà, auquel je tenais ce soir à mettre l'accent, sur lequel je tenais à mettre l'accent ce soir. D'accord ? Nous allons voir que cette lutte-là, d'accord, est une lutte intérieure. Et plusieurs de nos sages mettront l'accent sur ce point. Regardez bien. Donc, je reviens à la diapo précédente. Il ne s'agit donc pas d'une lutte avec un ange, au sens strict du terme, mais plutôt, il s'agirait donc d'une lutte intérieure. Regardez bien. Jacob va lutter avec lui-même. Et donc, on peut dire d'une certaine manière, regardez bien. Si vous remarquez, le tableau de Rembrandt est intéressant. Regardez bien, il y a une différence entre le tableau de Rembrandt et ceux de Eugène Delacroix et de Gustave Doré. Quelle différence? Regardez bien. Ici, il y a vraiment l'idée d'étreinte. Il n'y a pas de lutte, regardez bien. Chez Rembrandt, Jacob vraiment embrasse l'ange. Vous voyez? Je tiens d'ailleurs à vous rappeler que Rembrandt avait donc étudié le Tanakh avec un sage, un des grands rabbins de l'époque, et que beaucoup de ces tableaux donc introduiront comme ça des éléments bibliques, et certainement, je suis convaincu que le maître de Rembrandt, celui qui lui avait donc enseigné le texte biblique, lui avait certainement expliqué la racine du verbe avak en araméen, qui veut dire donc étreinte. Vous voyez l'étreinte entre l'ange et Jacob. Donc, si vous le voulez, d'accord, évidemment, une interprétation parmi tant d'autres, d'une certaine manière, la lutte ici ne sera pas une lutte avec un ange extérieur, mais avec une lutte intérieure. Raïm. Oui. Oui, ben justement, pour aller dans ce sens-là, j'avais entendu un cours où il était dit que, donc Saraf qui disait que quand Jacob s'enfuit chez Lavan, il fuit Esav, mais il fuit aussi le Esav qui est en lui, en fait. Et il passe 14 ans à étudier là-bas, pour une part, pour se débarrasser de ce qui reste d'Esav en lui, quoi. Exactement, exactement, à tel point que, exactement, à tel point que, si vous le voulez, la prière de Jacob, je reviens donc au verset précédent, au point que la véritable épreuve n'est pas de lutter contre Esav, son propre frère. Ça, à la limite, Jacob en est capable. À la limite, je dis bien. D'accord ? Il a reçu la promesse, à la limite, de Dieu, donc pourquoi avoir peur ? Donc Dieu va lui dire non. La véritable épreuve ne sera pas de lutter contre le Esav, donc extérieur, donc son propre frère, mais de lutter contre, comme tu viens de le dire, son propre Esav, c'est-à-dire son propre son propre instinct du mal qui sera donc intérieur à lui-même. Son côté matérialiste, quoi, peut-être. Aussi. On peut dire son Yetzirara. Yetzirara. Mm-hmm. Tout à fait. Mais ça va aller plus loin, vous allez voir. Ça va aller plus loin, vous allez voir pourquoi. C'est lié d'ailleurs aux bénédictions. D'accord ? On va continuer, vous allez voir. Juste une autre remarque, retenez bien l'idée de l'évado. Bon, on y reviendra par la suite.
à la fin de notre séminaire. L'image est de moi, il y a quand même. Oui, bonsoir, Royer. Oui, c'est Jacques, excusez-moi, il y a mon nom, mais c'est Jacques. Votre prénom? Ton prénom? Yaakov, Jacques. Yaakov. Oh, bah. Bienvenue à Yaakov, on a Yaakov ce soir avec. Jacques, à propos, mon propre frère s'appelle donc Yaakov aussi, donc je lui dédie mon séminaire ce soir. Voilà. Ok, Yaakov? Mais juste sur le verset précédent, là, je vais remarquer la similitude de l'écriture Yaakov et avec Lutin, Jacob, il y a quelque chose qui est bien ressemblant. Phonétiquement, même sans les voyelles, je ne sais pas si ça devrait pas être la même chose, c'est une idée. C'est un mot aussi. D'ailleurs, vous remarquerez que la lutte, regardez bien, on traduit lutte avec, lutter, généralement on lutte contre, on ne lutte pas avec. On ne lutte pas avec. Vous voyez, vous remarquez cela. Donc, à la limite, donc, la traduction proposée tout à l'heure par Aaron, qui s'appuierait donc sur la racine araméenne, me paraît intéressante à développer. Vous voyez, donc, lutter avec, ça pose problème. Par contre, il a, vous voyez, l'idée d'étreinte colle très très bien avec le terme immo. Voilà. Il va cacher un Yaakov. Alors, c'est le verset 30. Je vais essayer, je débute. Hein. Tout doucement, vas-y, on est contre nous, là, il n'y a pas de problème. Bayomer, Chaleni, qui a la... Attention. Chalchemi, d'accord, nous avons ici un Sheva qui est sans. Un Sheva immobile qui ferme la syllabe. Chalchemi, pardon, excusez-moi, je corrige tout de suite. Oui. Erreur de moi. Tu fais attention. Nous avons un point fort ici. D'accord? Je reviendrai là-dessus. Nous avons ici un point fort, donc. Le chat est une syllabe fermée. Chalecheni, d'accord? Nous mettrons l'accent sur le lamed. Très bien. D'accord. Vayomer, lo chale. Achan, Kiim, Berachtani. Oui. Oui, Yaakov. C'est avec toi. Bayomer, Shalehemi. Qui a la Hacharar. Bayomer, Lo Hacharar. Parfait. Qui? C'est parfait. Traduction. Il dit, laissez-moi partir, car l'aube est venue. Il répondit, je ne te laisserai point partir, que tu m'aies béni. Très bien, nous retrouvons ici, vous voyez là, la racine de la bénédiction. D'accord. Bon, que pouvons-nous dire, Yaakov, sur ce verset? D'accord. En partant du principe qu'il y a donc, que Jacob lutte avec lui-même. Il y a une lutte intérieure. On voit que Jacob, c'est un battant, quoi. Il n'a jamais voulu s'étomber des choses, on voit avec toute l'histoire avec la vente et tout ça, avec ces femmes qu'il avait, qu'il n'avait pas, etc. On voit que là aussi, il veut vraiment... Il est un battant, il veut vraiment quelque chose. Se convainc, il veut que ça arrive à quelque chose. Quoi. Il y a une finalité. Quoi. Alors, intéressant ce que tu viens de dire. Jacob est un battant. Intéressant. N'oubliez pas, et nous allons voir par la suite, j'avance sur la suite, Yaakov, toutes les fois nous verrons dans la Bible, dans le texte biblique, le nom de Yaakov, généralement, c'est celui qui est passif. Je vous rappelle que Jacob est Ishtam Yoshev Oalim. C'était l'homme donc parfait qui étudiait sous les tentes, d'une part. Je vous rappelle que la bénédiction, il la recevra finalement sans effort. D'accord? Sa mère, Rebecca, Rivka, lui dira, ne t'inquiète pas, d'accord, va voir Yitzhak, tu recevras la bénédiction sans aucun problème. Il ne fera rien.
Et je vous rappelle qu'il recevra le droit d'aînesse, et ça, vraiment, sans aucun effort non plus. D'accord ? Jacob, nous allons voir par la suite, est lié à la notion de passivité. Et là, cette fois-ci, comme tu viens de le dire, Jacob, très très justement, il y a un début de métamorphose chez Jacob. Jacob va tout doucement passer, si je puis dire, le Yabok, d'accord, le passage, quel est ce passage? Il va se transformer en Israël. Mm-hmm. Bon, et c'est la bénédiction, regardez bien, qui va le transformer. Quand il y a, n'oubliez pas qu'il y a une lutte intérieure. D'accord, Jacob, finalement, a tout reçu, je veux dire, sans aucun effort. Or, Dieu va lui dire, on le voit dans le texte, par la suite, il va lui dire, attention, certes, tu as reçu la bénédiction, parce que tu devais la recevoir, d'accord, mais la fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que, c'est important, je crois que ce point est important, car et dans le, je veux dire, en général, dans la Bible et dans le judaïsme, les faveurs de Dieu, c'est important, mais nous devons les mériter. Donc, il y a l'idée de, nous allons voir l'idée de mérite, donc de lutte. L'homme doit lutter. Il ne peut pas recevoir les faveurs de Dieu sans aucun effort. Jusqu'à présent, Jacob a tout reçu, je veux dire, sur un plateau, si je puis dire. Bon, il a rien fait, finalement. Sa mère, Rebecca, l'envoie vers Yitzhak, il reçoit l'élection. Il ne lutte pas, il reçoit tout sur un plateau. Dieu va lui dire non. L'épreuve véritable, ce sera le Yabok, le passage du Yabok, la lutte intérieure. Tu devras lutter avec toi-même, d'accord? Et quelle est cette lutte? D'accord? Nous allons le voir. Merci à toi, Yaakov. Merci beaucoup. La parole à, nous avons Henri, un autre Henri, qui est avec nous. Henri? Razolofo Manso Andro. Jacob, si. Yaakov. Oui, bonsoir. Tu nous entends? Oui, tu nous entends? Henri? Oui, bonsoir, Henri. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Ah, je lis alors. Oui, absolument. Vaïmer. Et là. Ma Shemera. Vaïomer. Yaakov. Yaakov. C'est parfait. Traduction. Henri. Il lui dit alors. Henri, hein, c'est ça, hein. Oui. Oui. Il lui dit alors, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Jacob. Changement de nom. Ok. Qu'est-ce que vous en dites là-dessus, Henri? Pourquoi? Alors, le nom, c'est tout ce qui caractérise une personne. Alors mm-hmm. ici, après cette rencontre avec cet homme, Jacob, on lui demande son nom, il dit Jacob, mais dans la suite, ce nom va être changé. Transformation radicale. Mm-hmm. Très bien. Alors, j'aimerais rajouter à ce que tu viens de dire, Henri, ce qui est d'abord très très juste. Et si nous partons du principe qu'il s'agit d'une lutte intérieure, c'est, d'une certaine manière, c'est la voix intérieure de Jacob, d'accord? Sa ouais. propre voix qui lui dit à Jacob, comment t'appelles-tu? Vous voyez, il y a un retour sur soi. C'est soi-même. Sur soi-même, d'accord? Il y a un face-à-face entre Jacob et Jacob. Et Jacob, donc, il se pose la question, d'une certaine manière, comme s'il était devant un miroir, et il se pose la question, cet homme-là, qui c'est cet homme? Ah, Ish. C'est lui-même, d'accord? C'est lui-même. Et donc Dieu le met à l'épreuve, d'accord? Cette voix intérieure, c'est Dieu qui lui pose la question. Il lui dit, mais finalement, devant qui tu te trouves? Et il répond, mon nom, il répond à lui-même. Mon nom est Jacob. Ouais. Et pourquoi, regardez bien, pourquoi il se réfère à son passé. Exactement. Jacob, d'accord, les noms bibliques traduisent, donc, peuvent traduire une situation intérieure, d'accord, ou bien une histoire personnelle, qui nous le verrons par la suite, s'élargira et une histoire collective. Alors Jacob, maintenant, a tout à fait raison. Voilà. Ok, nous allons demander à Philippe. Philippe Oui. Oui, bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Oui, comment vas-tu? Shlomitov. Metsuyan, bon. Shlomchatov. Metsuyan. Ok, très bien. On va lire ensemble le verset. Vayomer, Echi,
Kara, Chemo, Yaakov, Vaya, Vaya et Veni, Zé, Faa, Malim, et Berorati, Lakar, Veine, Ata, Lakar, Birrati. Mmh. Traduction. Ésaïe dit alors, est-ce parce qu'il n'a nommé Jacob qu'il m'a supplanté, trompé, deux fois déjà? Oui. Il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et voici que maintenant, il m'enlève ma bénédiction. Ok, on va s'arrêter là un instant, avec toi Philippe. Voilà. Qu'est-ce que nous pourrions dire à partir de ce verset? D'accord? Oui. Ésaü qui dit il a déjà été trompé deux fois et qu'il est encore trompé une troisième fois avec cette bénédiction qui lui est retirée volumement. Oui. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ces deux fois? Pas mine, vous voyez? Pas mine. Non, je me souviens pas de ça, de ces deux fois précédentes. D'accord. Ok. Alors on va demander, c'est quoi reste avec nous, Philippe? Oui. On va demander à Daniel. Daniel? Oui, shalom, Raïk. Shalom, Daniel. Vous nous aidez là. Alors, il y a l'histoire du plat de lentilles, quand il s'est fait passer pour Ésav avec son frère, avec son père. Mais je vois pas l'autre fois. Donc le plat de lentilles, c'est le droit de l'aînesse. Première fois, deuxième fois. Et puis il y a la bénédiction. Donc Israël a béni Jacob, croyant béni Ésav. Tout simplement, d'accord? Pas mal. Si on reprend le texte. Bah c'est tout, il n'y en a pas d'autres. Voilà, pour l'instant. Alors, exactement, voilà. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit là? D'accord? Et ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit finalement, Daniel, qu'est-ce qu'il lui dit à Jacob? Qu'est-ce qu'il lui dit? Attends, excuse-moi, parce qu'il y a mon mari qui est rentré dans la pièce, donc j'ai pas entendu ce que tu m'as demandé. Okay. Oui, tu me demandais quoi? Oui, je disais donc, qu'est-ce qu'il dit donc finalement Ésav? Quel reproche de Ésav à l'encontre de son propre frère? Qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, il lui reproche de l'avoir trompé deux fois. Trompé deux fois. Vous voyez, donc l'idée de Yaakov... Mais je crois que... À la limite, le pire, c'est quand même que Jacob ait enlevé la bénédiction à Ésav. Et ça, il va... Bon, il y a toute une suite à ça. Chaim, hein. Oui. Attendez tout doucement, oui. On peut aussi dire que dans le mot Ekev, on voit le talent. C'est comme si... Et Ésav est en train de se plaindre que Jacob est toujours derrière lui pour s'accaparer ou de prendre quelque chose. Donc il a renversé un peu les rôles, quoi. Mm-hmm. Alors qu'on voit bien que Jacob courait derrière, mais pour récupérer ce qui lui appartenait. Mais peut-être Ésav l'a interprété comme lui il est le premier fils. La bénédiction lui revenait, mais Jacob était derrière, dans le mot Ékev, pour récupérer ce qui lui appartenait. Tout à fait. Dès la naissance, nous voyons que, la naissance, comme vous vous rappelez, Yaakov a tenu donc le talon de son propre frère, Ésav, d'où le nom de Yaakov. D'accord? Jacob, donc, talonne. Et ça va lui reprocher. De plus, c'est quand même un reproche quand même tout à fait pas juste, qui n'est pas tout à fait juste. Dans la mesure où Ésav lui a donné. Parce que j'entends souvent qu'on dit que Jacob c'est pas un usurpateur, mais un filou, quoi. Mais en fait, c'est pas un filou, puisqu'il a fait un marché avec son frère, et son frère il a dit oui, mais moi tu me fais un plat de lentilles et je te donne mon droit d'aînesse, donc tu lui as rien volé, et son frère était bien d'accord. Hein. C'est vrai, Gildas, mais attention. Aux yeux de Ésav et des nations, d'accord, qu'est-ce qu'il ressort? Il ressort que Jacob est un voleur, d'accord? Qu'il a menti. Ils ont fait un marché et après. C'est vrai, mais dans le dessein de Dieu, Jacob devait recevoir la bénédiction, d'accord? Mais au niveau des hommes, aux yeux des hommes, Jacob est celui qui a usurpé quelque part la place d'Ésav.
Bah moi je suis d'accord. Non. Tout à fait. Je comprends ce que tu dis, mais Yaakov, attention, regarde bien. Le prophète Jérémie, regarde ce qu'il dit. Regarde, j'ai bien. Est-ce que tu pourrais lire le verset de Jérémie, tu vois, qui confirmerait ce que je dis. Est-ce que tu pourrais lire le verset Ish? Ah déjà. Ish merde et où? Oui. Ishamru. Oui. Ishamru. Béal. Cal. Alcool. Col ar al ibetaru. Ibetaru. Qui col. Yaakov. Attention. Col. Ah. Col ar. Yaakov. 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 Traduction. Traduction. Soyez en garde l'un contre l'autre, ne mettez pas votre confiance dans aucun frère, car tout frère s'applique à tromper. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est vrai que Jacob n'a rien usurpé. D'une certaine manière, Esaü est venu, lui a donné son droit d'aînesse, première chose. Deuxième point, vous remarquerez que en hébreu, la Bechora, regardez bien ici, je vais effacer. Regardez bien. Le droit d'aînesse, regardez, Bechora, hein, le substantif absolu, c'est Bechora, ressemble étrangement au mot Beracha. En fait, c'est le même mot. On inverse simplement les lettres. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Esaü, donc, il a donné son droit d'aînesse, d'une part, et d'autre part, c'est Rebecca, sa mère, qui lui a dit, écoute, va chez Yitzhak, ton père, et tu recevras l'élection. Il n'a rien fait, il est resté passif. Même si nous savons, nous, que la bénédiction devait lui revenir, eh bien, au niveau des hommes, c'est ce que dit Esav, au niveau des hommes, il s'agit d'un rôle, d'accord ? Et ce qui n'est pas acceptable. Vous allez voir pourquoi j'ai dit cela. Hein. Ouais, mais aux yeux des hommes, parce qu'aux yeux de Dieu, mais attention, la bénédiction, elle est liée aux hommes, d'accord? D'accord, nous vivons parmi les hommes. Le judaïsme et la Bible nous parlent d'une vie parmi les hommes. Nous vivons parmi les hommes. Ce ne sont pas les anges qui nous intéressent, d'accord? Le monde des anges, vous savez, dans le judaïsme, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le monde des hommes. La Bible parle de construire une société meilleure, qui irait vers l'amour et la justice. Or là, il y a d'une certaine manière une forme de une tâche, si vous voulez, à l'encontre de Jacob. Vous voyez, et regardez bien ce qui se passe, c'est que Jacob, qu'est-ce qu'il lui reproche? Regardez bien. Et je rappelle qu'il s'est revêtu d'une peau de chèvre pour tromper même son père, pour sembler être poilu alors qu'il n'était pas. C'est vrai. D'ailleurs, je pense que dans les semaines qui viennent, je consacrerai un webinaire à la bénédiction de Jacob, qui vaut à elle-même un webinaire. Mais regardez bien. Oula. Chaim. Oui, attendez. Regardez bien. Attendez, madame. Regardez bien. Le début du verset, donc je vais effacer. Regardez bien. Jacob, ici, est passif. Regardez bien. Il reçoit tout de manière passive. Bayomer, achi kara shemo Yaakov. Esaü, qu'est-ce qu'il reproche à Jacob? Regardez bien. Dieu, comme s'il y avait eu une forme d'élection, d'avantage, de privilège, quelque part. Il lui dit, écoute, tu as combiné, d'une certaine manière, parce que Dieu t'a choisi, regardez bien, kara shemo, ce n'est pas un passif. D'accord? Dieu l'a appelé, Jacob. Et donc, d'une certaine manière, et il accuse quelque part Esaü, et accuse quelque part aussi Dieu, vous voyez, il se rapporterait à Dieu. Or, nous allons voir par la suite que Jacob va se battre avec lui-même, d'accord, pour avoir le mérite de cette bénédiction. Je peux dire quelque chose? Oui.
Oui, Daniel. Et on revient, Daniel. C'est même Daniel qui met la parole. Excusez-moi. Bon, simplement, cette histoire de tromperie, de perfidie, nous, Juifs, nous la portons toujours. Parce que il n'y a pas si longtemps, dans la prière, c'était dans l'Église catholique, on priait pour le peuple perfide. Mmh. C'est Vatican II qui l'a... Voilà, exactement. Mais je veux dire que encore maintenant, dans certains milieux, je ne vais pas m'étendre, on considère que les Juifs trompent le monde, ils mentent, etc., etc. Et on continue à porter ça, alors que c'est complètement faux. Alors, justement, moi, je trouve comme pour la cause. Moi, j'ai envie. Est-ce que je peux dire Attendez, un par un, parce que sinon on va pas s'entendre. Oui, Gildas. C'est comme, moi je trouve que c'est comme pour Jacob, on le traite de voleur alors que pour moi il n'est pas un voleur. Mm-hmm. Ah, je suis d'accord avec toi. Chaïm, oui. Bon, alors, si on voit le passage de Jérémie, donc on nous met en garde, mais Israël, on met toute personne qui est responsable ou qui porte la bénédiction dans le monde, de se méfier d'un frère. Même quand il vient comme un méchant ou quand il vient comme un agneau ou bien comme un gentil, quoi. Mm-hmm. Il est toujours dangereux. Donc c'est aussi le mal en nous. Peut venir peut-être aussi dangereux quand il nous propose un peu de... d'assimiler, de faire des bonnes choses comme dans le monde. Non, ce qu'il faut dire, c'est que l'idée est la suivante. C'est que même si Jacob, d'accord, devait recevoir une bénédiction, d'accord, c'était le projet de Dieu que Jacob reçoive la bénédiction aux yeux des nations, d'accord, et de Esav, en particulier dans le texte, si je reviens au texte, cela a été perçu, j'ai bien perçu, comme un vol. Hmm, oui, mais les yeux de Dieu, pas les yeux des hommes. Il vaut mieux regarder Dieu que les hommes. Il a roi Dieu qu'aux hommes. Alors voilà. Alors maintenant, c'est là où nous passons. C'est là où nous passons. On va basculer. Vous voyez, il va y avoir une transformation de Jacob en Israël. Le Jacob qui était donc passif, qui a donc tout reçu sans rien faire, finalement, il va là mériter la bénédiction. Donc de Dieu. Comment? Okay, on va demander à... Chaïm, s'il te plaît. Oui, Barakacha, c'est-à-dire, oui. Oh, oui. Oui. On se retrouve. Tu disais tout à l'heure que Jacob n'avait rien eu, avait tout reçu comme sur un plateau, mais je ne partage pas tout à fait cette idée parce que... Est-ce que tu pourrais, excuse-moi, augmenter le son de ton micro? On a du mal à t'entendre. Il est au maximum. Ah, très bien, c'est parfait maintenant. Très bien. Donc, Jacob, c'est pas sans effort qu'il a eu ses épouses. Il a travaillé 7 ans, il a eu Léa. Oui. Puis 7 ans, 7 autres années pour avoir Rachel. C'est juste. Mmh. Ça ne lui a pas été amené sur un plateau. Oui, mais alors, question que je te pose, te renvoie. Comment pouvons-nous expliquer le fait que finalement Jacob n'a rien fait quand il a reçu le droit d'aînesse? Comment qu'il l'a reçu? Quel est son mérite au niveau du texte? Moi je trouve qu'il n'a pas de mérite. Et pourquoi il n'a pas de mérite? Pourquoi il n'a pas de mérite? Il n'a pas de mérite parce qu'il s'est appuyé sur une tromperie. Oui. Mmh. Il a accepté de tromper. Alors je reste avec toi, Talia. Est-ce que tu pourrais lire le verset qui est devant nous, qui répond à ce que tu viens de dire? Je ne lis pas l'hébreu. Tu ne lis pas l'hébreu? Ok. Lis-le en français, ensuite on lira en hébreu ensemble. D'accord. Il reprit, Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Ok, je vais lire le en hébreu. Vayomer. Lo Yaakov, Hamer od Shimcha, ki im Israel, ki sarita, im Elohim, ve im Anashim, Vatuchal. Oui, donc Sadia, je reviens à toi.
Oui. Que pourrions-nous dire en fait de ce verset qui rejoint ce que tu disais, qui complète ce que tu disais. Alors, le verset de ce que je lis, de ce que j'en comprends maintenant, c'est qu'il a d'abord combattu contre les avec les hommes, et il a combattu avec Dieu dans Peniel, oui, contre lui-même, et il a vaincu. Mmh. Cette victoire, nous allons voir cette victoire, c'est une victoire sur lui-même, en fait. Ok. Et, c'est-à-dire que, encore une fois, il ne s'agit qu'une interprétation personnelle qui s'appuie sur les textes. Hein. Je suis très, très prudent puisqu'il y a évidemment une infinité d'explications qui seraient possibles. Mais si je m'attache à l'idée selon laquelle Jacob a lutté contre lui-même, regardez ce qui se passe. Cette fois-ci, il va passer donc de l'état passif, un état passif, un état actif. Il va lutter. Celui qui était, j'allais dire, celui qui étudiait donc les textes sous la tente, celui qui écoutait sa propre mère, va cette fois-ci non plus rester passif, mais agir. Et il va lutter contre ses propres, comment dire, contre l'idée même et qui, sur laquelle, finalement, il recevait tous sans rien faire. Là, il va lutter pour mériter la bénédiction. Vous savez que la bénédiction se mérite. Même si Dieu a promis la terre d'Israël aux Hébreux, ils devront la mériter. Hein? Ce n'est pas une chose qui va de soi. Elle doit se mériter. C'est ce qui va se passer ici. Et nous retrouvons la racine, regardez bien, Israël, et Yachar, Yachar El, qui veut dire, Daniel, attends, je sais plus, j'étais en train d'écrire et de penser à autre chose. Mais je vais le dire tout de suite ce à quoi je pensais. C'est qu'en fait, Jacob s'émancipe. Il s'émancipe, très bien, ok. C'est un peu un petit garçon, le fils à sa maman, et là maintenant, il devient un homme. Donc changement de nom, changement d'histoire, changement de statut humain également. Tout à fait. Avec toi, il se développe là. Vous voyez, il y a une évolution. Et puis il devient mature. Il devient mature. Oui. Donc, on peut dire avec après son combat, il a vaincu, disons, lui-même. Il est devenu juste devant Dieu, droit devant Dieu, à travers le monde. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, regardez bien ce qui se passe. L'idée, c'est pas tant de plaire à Dieu, d'une certaine manière. Israël. De plaire aux hommes. Oui. Oui. Qui voulait parler? Non. Ok. L'idée, ce n'est pas tant de plaire à Dieu, puisque Jacob a été, comment dire, choisi par Dieu pour recevoir l'élection. Il l'a reçu, de toute manière, il l'a reçu. D'accord? L'idée, c'est de montrer qu'il va mériter cette bénédiction, d'accord? En luttant contre quoi? Contre l'idée sur laquelle la fin ne justifie pas les moyens. Vous voyez? Il a finalement tout reçu sans effort. Et là, peut-être, il dit non. Pour mériter la bénédiction qui lui revient, de toute manière, qui lui reviendra, il devra la mériter. Il devra donc lutter. Lutter. D'accord? Contre lui-même, contre l'idée selon laquelle il peut rester assis, s'asseoir et recevoir. Je vous rappelle que Jacob commence sa vie en, on le connaît sous le terme de Yoshev. Il s'assoit, il est statique. Cette fois-ci, il va lutter. Alors, c'est très très important car vous savez que toute l'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'une lutte. J'allais le dire. Oui, Michel. Oui, je peux dire quelque chose en réfléchissant avec toutes les réflexions qui ont été faites, c'est qu'effectivement, puisqu'il est passif, puisqu'on lui dit chaque fois qu'il se trouve devant une situation, on lui dit mais pars, va, quitte ton père, va chez le. Beau-père, si je veux dire, hein, au moment où je serai à la décision, ou bien maintenant, donc, il est chez son beau-père, il reçoit vie
il va avoir une femme, il va en avoir une deuxième, il va avoir une famille, voilà, il va vivre cet état, mais ce n'est pas une véritable lutte, c'est il prend sa responsabilité d'homme dans cette famille, mais au moment où son beau-père va lui faire face, parce qu'il n'admet pas une certaine situation, je veux dire, d'enrichissement, etc., là encore, il va fuir. Maintenant, il va se retrouver, on lui dit « retourne », et c'est l'Éternel qui lui dit « retourne vers ta parenté ». Et pour y retourner, la première personne à laquelle il va faire face, c'est à ce frère à qui il a pris bien des choses, si je peux dire. Bien des choses, puisque son bras des mères, les bénédictions de son père, les bénédictions de l'Éternel, finalement, puisque ça représente aussi ça. Donc il va devoir faire face pour une première fois et peut-être se rend, il se rend peut-être compte que les cadeaux, tout ce qu'il va, il a avancé vers son frère, ne suffiront peut-être pas, parce que c'est son, sa propre, comment dirais-je, sa propre force, son propre cet engagement qu'il a vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille, c'est-à-dire de ses femmes, de ses enfants, face à une autre entité, c'est-à-dire un autre... Intéressant. Voilà, un véritable... C'était un choc, hein, c'est un véritable choc. Les cadeaux ne suffisent pas à atténuer tout ce qui s'est passé, ce n'est que peu de choses par rapport à tous les droits que Ésaü a perdus, finalement. Oui, mais justement, alors, nous allons voir que ce qui va importer là, ce n'est pas tant la prière de Jacob, d'accord, ce n'est pas tant le présent qu'il va offrir à Esaü. C'est son travail intérieur, c'est cette lutte intérieure qui va faire que, bon, mais c'est le cas, on peut dire ce qu'on veut, bon là c'est Jacob, mais je crois, et bon, je suis très heureuse d'avoir participé et de participer à cette émission parce que, je veux dire que par rapport à soi-même, on a ses propres combats intérieurs qui font que, mais avant de faire face à cette situation, on doit se faire face à soi-même. On doit prendre ses propres assurances, ses propres engagements, ses propres latitudes. Enfin bon, c'est un combat intérieur. Normalement, qui doit s'engager quand on veut affronter personne ou n'importe quelle situation, pas toujours, pas difficile, mais bon, ça peut être difficile, ça peut être des engagements de vie, ça peut être toute forme d'engagement, je dirais quelque part. Mais ce sont des choses fortes. Voilà. Si je peux, Et souvent auquel on demande on demande, il y a la prière de Jacob à l'Éternel avant, mais ça ne suffit pas. D'accord. La preuve. Voilà. Ok, je te coupe. Ok, merci. En tout cas, je pense très bien compris ce que tu veux dire. Ouais, tu prends la parole. Terrible. Je voulais me faire remarquer Tuchal. J'ai traduit ici, tu as vaincu, mais Tuchal, c'est Yachol, tu as pu, c'est pouvoir. Si, tu as réussi, d'accord? Tu as réussi, oui, il y a des Yachol. Voilà. J'attendais cette réflexion, ok, c'est très bien. Va Tuchal, très bonne réflexion de la part de Aaron. Va Tuchal, c'est non pas, c'est la victoire, c'est une victoire sur soi, c'est-à-dire que tu as réussi finalement à vaincre d'une certaine manière dans le sens de victoire intérieure, voilà, comme disait Michel à l'instant, et tu as réussi. D'accord. Et c'est elle, nous allons voir, cette victoire intérieure qui va lui permettre, nous verrons ça à la fin de notre séminaire, de se réconcilier avec les hommes et avec Dieu, nous allons voir. D'accord. Ok. Je peux encore me permettre une toute petite parenthèse.
je te coupe, on a un bruit de fond difficile à supporter. Excuse-moi. Voilà. Merci à toi. Simon? Oui, bonsoir Simon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, shalom, shalom. Alors, va Yeshéal Yaakov va Yomer Akita Ba Akidana. Akidana. Shemekra va Yomer la Ma lama ze teshel ishal ishal al ah ouais al lishmi va ye va re auto sham. Je reprends le verset va ishal Yaakov va yomer na shemecha va yomer lama ze Ishal Lishmi, Vaivarech Oto Sham. Traduction, Simon. Alors Jacob l'interrogea en disant, apprends-moi, je te prie ton nom. Il répondit, pourquoi t'inquiérir de mon nom? Et il le bénit alors. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que nous pourrions dire sur ce verset? D'accord. L'interprétation que je pourrais donner, oui. Lorsque Jacob se combat contre lui-même, on pourrait dire l'homme extérieur avec l'homme intérieur, avec les deux penchants que chacun de nous avons, c'était un combat qu'il a eu, et en même temps, comme l'être intérieur qu'il avait, qui représente une émanation de Dieu, et il demande quel est ton nom, ça veut dire que Jacob veut en réalité savoir ce qu'il est réellement lui-même. Voilà. Tu viens de toucher le point, d'accord? Exactement. D'accord? Jacob s'interroge sur son propre nom, en fait. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas un ange extérieur, mais un état intérieur, profond, où Jacob, finalement, Jacob se trouve en face de lui-même. Et exactement, c'est ce que tu viens de dire. Il se pose la question de son propre nom, Jacob. D'accord? Et Israël même. Cette transformation, cette métamorphose, n'est pas sans poser problème à Jacob. D'accord ? Toute transformation est, comment dire, est le fruit d'une lutte intérieure. Et parfois, je veux dire, on... Oui ? Vous voulez dire quelque chose, Pascal ? Moi, je pense qu'il faut revenir un peu, parce qu'une vingtaine d'années en arrière, lorsque Jacob était sur le rocher et lorsqu'il a vu l'escalier monter et descendre. Oui. Je pense qu'il y a un grand rapprochement entre les deux. À savoir, est-ce que tu pourrais légèrement développer cette idée? Disons que Jacob, lorsqu'il prit un rocher, il mit son oreille, et c'est là qu'il a vu une vision. Il a vu des escaliers, une échelle qui montait au ciel et qui redescendait. On pourrait presque dire, Jacob s'est vu monter et descendre en même temps. Et il montait dans les hauteurs spirituelles et qui peut descendre jusqu'aux plus profondeurs de l'être humain. Intéressant. Je m'explique mal peut-être. Très très bien, c'est parfait. Et je pense que lorsqu'on revoit 20 ans plus tard à peu près, c'est à peu près le même combat, mais on pourrait dire du terre à terre. Il n'y a pas la vision de l'échelle qui monte et qui descend, que des anges montent et descendent. Très très bien. Alors, d'abord, ce que je dis est très passionnant, mais regarde, j'aimerais que nous attardions sur la fin de ce verset. Vaivarech Otosham. Je crois que là, il y a un passage charnière, je crois, dans notre étude de ce soir. Regardez ce qui se passe. Simon, qu'est-ce qui se passe ici? Et il le bénit. Ça, c'est une question. Je me suis toujours un peu demandé comment il peut se bénir lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas, à ce moment-là, on pourrait dire, une émanation de Elohim qui intervient à ce moment-là? Alors voilà. Là, ce point-là est un des points les plus passionnants du texte, dans la mesure où il y a rencontre
dans ce face-à-face, d'accord, avec soi-même, il est en couple avec Dieu, en fait. Exactement, c'est ce que tu viens de dire. Il y a, comment dire, cette rencontre avec soi-même, avec lui-même, lui permet finalement de rencontrer, de toucher. Vous voyez l'étreinte, vous vous rappelez de l'étreinte? Vous voyez, avec, lutte, qu'on traduit généralement par lutte, d'accord? Et qu'on peut, en fait, si on s'appuie sur la ramère, il y a avec Imo, avec lui, avec l'étreinte. À partir du moment où l'homme se rencontre, d'accord, il est droit avec lui-même. Regardez, Israël, c'est la droiture. Parce que l'homme est droit avec lui-même, il est droit avec Dieu. C'est ce que dit le nom d'Israël. Yachar, El, droit vers Dieu. Droit dans le sens de droiture, au sens moral du terme, mais aussi au sens de communication. D'accord? Yachar, El, vous savez que dans le judaïsme, dans la Bible, ils n'ont pas d'intermédiaire. Les hommes parlent directement à Dieu. Mais attention, pour parler directement à Dieu, il faut, d'après le sens de notre texte ce soir, c'est d'abord que l'homme puisse ait le pouvoir de se parler à lui-même. Vous voyez, je crois qu'ici, Jacob, à travers le passage du Yabok, d'accord, et tout le travail intérieur qui va se dérouler finalement, avant la rencontre avec son frère, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va toucher le point peut-être le plus fort qui est en lui, c'est-à-dire la divinité, oui, d'accord, qui se trouve en lui, qui n'est pas extérieur à lui, mais en lui. Et donc, la bénédiction va lui venir. Ce n'est pas lui qui se bénit lui-même, mais dans la mesure où il aura fait ce travail sur lui-même, alors il pourra donc faire venir sur lui-même donc la bénédiction de Dieu. Vous voyez, c'est ce que je crois en tout cas. Oui, mais je le vois comme ça. Disons qu'on peut disons l'être humain, lorsqu'il se recherche lui-même, au plus profond de lui-même, arrive à un moment donné, il va se poser une question. Qui suis-je? Et dans ce qui suis-je, à ce moment-là, s'il est en communion intime, lui avec lui-même, à ce moment-là, le parti divin va ressortir et lui dévoiler ce que l'homme ne peut pas se dévoiler lui-même. Exactement, et je rajouterai à cela un autre point important, si vous me permettez, c'est que, regardez bien, « Vaivarech otosham », cela veut dire quoi? Cela veut dire que finalement, que toutes les bénédictions que Jacob a reçues, ici, elles sont justifiées. Vous voyez? Elles se légitiment. Elles sont légitimées par cette lutte intérieure. Et là est le mérite de Jacob. C'est d'avoir, comment dire, de ne pas avoir fui cette lutte intérieure. Vous savez, l'épreuve du Yabok est une épreuve qui est extrêmement importante. Car si Jacob n'avait pas osé donc passer ce cap, si je puis dire, d'accord? Yabok, le Mahavar, c'est aussi le cap, le passage, le guet, le cap. Eh bien, je crois qu'Israël ne serait pas là où on en est aujourd'hui. D'accord? Il a réussi, finalement, là où beaucoup d'hommes vont échouer. Il va prendre son destin donc en main. Il va reconnaître que ces bénédictions qu'il a reçues, certes, de manière tout à fait justifiée, il les a reçues de manière tout à fait justifiée, mais il va comprendre combien les hommes, à travers Esav, d'accord, vont lui reprocher cela. Donc, à travers cette lutte intérieure, d'accord, il va finalement réussir à recevoir cette bénédiction de manière tout à fait légitime cette fois-ci. Donc, vous voyez, donc ce verbe qui est ici, le verbe que nous retrouvons ici, va venir finalement légitimer toutes les bénédictions précédentes. Vous voyez? Mais à travers la lutte. Donc le mérite. Donc Israël, c'est celui qui lutte, qui est donc actif et qui va agir pour justifier, pour légitimer la bénédiction qui lui revient de droit, de toutes les manières. Chaim, oui. Tu sais, verset, on peut dire aussi que après sa lutte, donc il a récupéré la nature sémite. Comment? Oui. La nature de Shem sémite. Oui. Par le mot, disons, le nom chemise. Et comme oui. Il est retourné dans la nature, c'est j'ai pas pensé à cela, hein. J'avoue. C'est intéressant. Okay. OK. Merci en tout cas, Simon. Manhattan, on va demander à Sophia. Sophia? Sophia, tu nous entends? On va demander à... On va chercher
Sophia? Sophia? He's smiling. Oui, bonsoir, shalom. He's leaving. You're not going to get on? No, get on. No. He's calling you. It's rude. Okay, on va demander à... Sophia, come on. Get on. Allez, voilà. Merci. Jemima? Jemima? Oui. Bonsoir. Jemima? Non. Judith? Judith, tu nous entends? Judith? Non. Vandolo? Présent? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Oui, Vandolo, est-ce que tu pourrais lire le verset? Là, nous allons, attendez, nous allons nous attacher donc à comprendre le troisième nom de Yeshurun. D'accord? Nous avons vu donc Jacob, Israël, et il nous reste donc le troisième nom. Je vous rappelle que Jacob est le seul personnage, autant que je me souvienne, qui porte trois noms. Alors, Jacob, Israël et Yeshurun. Troisième nom qui est généralement moins connu que les deux précédents. Okay, ça. Oui, on est... Ed, NKL, NKL, Yeshuret, Yeshurun, Yeshurun, Ruev, 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 Shamaim, oui. Be'ezrecha. Oui. Yovedayati. To, d'accord, to. Suffixe à son être troisième personne, oui. Obagavato. Chez Hakim. Je reprends le verset. Parfait. N K L Yeshurun Rochev Shamaim Be'ezrecha Viga Avato Chez Hakim. Traduction, Candolo? Rien n'égale les tout-puissants, ô Yeshurun. Il est ton soutien, lui qui siège dans les cieux et dont la majesté plane sur les nuées. Sur les nuits. D'accord? Il y a une erreur là. Ce n'est pas Genèse 33, 26, d'accord, c'est Deutéronome. D'accord, je n'ai plus la référence exacte, mais c'est dans le livre de Deutéronome. Et Shurum se retrouve à deux ou trois reprises dans le livre de Deutéronome des jeunes filles. Donc je corrige là, d'accord? Là, il faut corriger. Désolé pour l'erreur. Deutéronome 33, 26. Comment? Deutéronome 33, 26. Ah, merci beaucoup, Aaron, merci, voilà, merci pour la correction, Deutéronome 33, 26. Alors, vous voyez là, ici, et troisième nom de Yeshurun, d'Israël, Yeshurun. Alors, la difficulté que nous avons ici à comprendre pourquoi ce nom, j'ai cherché, et j'ai trouvé dans le nombre 23 une explication possible. Donc, une explication que je n'ai trouvée d'ailleurs nulle part. Hein. J'ai dû chercher dans la concordance. Pour retrouver à partir de la racine. Vous voyez la racine? C'est Shur. Nous avons Shur ici. Et Shur ici. Regardez bien. Nous avons un Kubutz. Shin, Kubutz, Resh. Ouais. Shin, Vav, Resh. Ok. Qui voudrait lire le... On va demander à Judith. Judith, tu nous entends? Judith? Non. On va demander à... Ouais, à Judith. Ah, ok. Bonsoir, Judith. Bonsoir, désolée. Okay. On s'inquiétait, là, tout d'un coup. Ok, bienvenue à toi, shalom. Bonsoir. Okay. On va te demander de lire le deuxième verset, ici. Voilà. Qui va nous permettre de comprendre le sens de Yeshurun. Qui les roches. Oui, qui les roches.
Yurim. Sourim. Et nous. Parfait. Très bien. Les vadad. Ishkon. Nous avons un cholam. Ishkon. Ouvat goim. Les nations. L'eau. C'est parfait. Je reprends le verset et nous expliquons. Ki merosh surim erenu umigvaot ashuren hen am levadad ishkon uvagohim lo itrashav. Judith, j'ai volontairement, d'abord traduction, on va traduire et je vais te poser une question. Après quoi? Oui, je le vois, de la cime des rochers et du haut des collines, je le distingue. Ce peuple, il vit solitaire, il ne se confondra point avec les nations. Ok, alors, question que je te pose, j'ai volontairement omis le personnage qui donc va prononcer ces paroles. Est-ce que tu te rappelles du personnage? Celui qui aurait prononcé cela dans le livre des Nombres. Balaam. Oui. Bilham. Bilham. C'est parfait. C'est Bilham. Et qui était Bilham? Nathan? Bon, Bilham était, disons, on dit un faux prophète qui est venu pour maudire Israël. Exact. C'est quelqu'un aussi qui était monothéiste parce qu'il parlait au même Dieu d'Israël avec le nom qui était révélé par Moshe. La deuxième personne à appeler Hachem par son nom Adonai. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer finalement dans le texte? Au lieu de maudire, il va bénir. D'accord. Alors, attends, regardez bien. Il va bénir. Et lors d'un il y a un texte ici donc que j'ai rapporté où il y a un verbe intéressant. Vous voyez ce verbe-là, Ashurenu, qui veut dire Judith. Je reviens à Judith. Judith. Merci à toi, Manatan. Oui. C'est parfait ce que tu viens de dire. C'est Bilham, d'accord? Okay. Judith, le verbe ici veut dire, regarde bien, on traduira par distinguer. Regarde bien. Distinguer. On traduira par distinguer, d'accord? Dans le sens d'observer. Vous voyez qu'il s'agit, nous avons ici ce qu'on appelle un parallélisme biblique. Si nous reportons au début du texte, nous avons, regardez bien, nous avons Ar-Enu. Vous voyez Ar-Enu? Quand R-E-N-U, c'est « je le vois ». Quand la racine étant « ra'a ». Ra'a. Et d'abord, la racine s'écrit « resh »,« alef ». Et quand « je le vois ». Alors, attention, ce n'est pas au sens de le voir au sens physique du terme. C'est juste, si on lit le texte de manière littérale, « Bilham voit Israël physiquement ». Là, non. Il voit Israël dans le temps. D'accord? Il voit Israël réussir dans le temps. Et regardez bien, donc il le voit, et le deuxième verbe, donc, qui finalement est synonyme du verbe voir, c'est Ashurenu. Alors Ashurenu, c'est l'idée de Itbonenut,
de contemplation. Il contemple, ce n'est pas une vision extérieure, mais une vision intérieure. Je vous rappelle que Bilaam est un prophète. D'accord ? Et il va voir, donc, toute l'histoire d'Israël se dérouler devant lui. D'accord ? On n'a pas eu le temps ce soir de parler de Bilaam, mais si vous vous reportez au texte de Bilaam, vous verrez très très bien devant vous toute l'histoire future d'Israël se dérouler devant vos yeux. Donc Ashurenu, c'est je le distingue parmi les peuples. Vous voyez ? D'où le terme de Yeshurun. Yeshurun, ce sera, si vous le voulez, la reconnaissance de la mission d'Israël à travers les nations. Vous voyez ? Il y aurait évidemment plusieurs interprétations au mot Yeshurun. Il me semble que celle-ci s'applique le mieux au contexte. Regardez. Et là, nous avons, regardez bien, en conclusion de notre séminaire, vous voyez, nous sommes partis donc, de Jacob. Je vais prendre mon pointeur. Voilà. Jacob, c'est donc passif, Yaakov. Celui qui est considéré comme celui qui a usurpé, même si ce n'est pas vrai, mais aux yeux des hommes, c'est celui qui a usurpé la bénédiction. Et c'est celui qui est passif, celui qui étudie, celui qui écoute la voix de sa mère et qui finalement ne bouge pas. Puis, nous verrons la lutte intérieure de Jacob qui deviendra Israël. D'accord ? La métamorphose de Jacob en Israël. Celui qui va mériter la bénédiction, il la recevra. Donc, grâce à ce face-à-face avec lui-même. Puis, regardez bien, grâce à la réussite de ce face-à-face avec lui-même, l'épreuve, il surmontera l'épreuve. D'accord ? Israël, c'est celui qui surmonte l'épreuve, c'est celui qui lutte avec lui-même d'une certaine manière et qui réussit. Eh bien, grâce donc, à ce retour sur soi, d'accord ? À sa propre identité, je fais attention à ce que je dis, d'accord ? Eh bien, il recevra la bénédiction des nations. Vous voyez, Yeshurun, il sera reconnu par les nations, mais il devra, regardez bien l'évolution, passer d'un état passif, un état actif, pour être reconnu. Oui, est-ce que vous auriez une... Oui, un par un, oui, Jean-Claude, je vous donnerai la parole. Oui, oui, tu parlais de Bilaam qui voit loin dans l'avenir la fonction d'Israël. Mais dans les mots Yaakov et Israël, ce sont deux Yitzhon en fait. Yaakov et Israël, ce sont deux Yitzhon, puisque oui. Yaakov, c'est le futur de Akav, de même exact. Que Israël, c'est le verbe exact. Sarah. Exact. Donc c'est toujours une histoire d'évolution qui n'est jamais terminée en fait. Tout à fait. Ça terminera quand Israël sera une chose. Très très bonne remarque. L'histoire d'Israël est une histoire en marche, en fait, qui ne s'arrête jamais. Vous savez qu'il y a, une continuité entre le Tanakh, entre l'histoire qui est donc relatée dans le Tanakh, l'histoire d'Israël dans le Tanakh, et le retour d'Israël sur sa terre. D'accord ? On n'a pas trop le temps ce soir d'en parler, je pense qu'on en parlera dans notre webinaire. Il n'y a pas eu de coupure en fait. Je crois que beaucoup ont du mal à le comprendre, d'accord ? Je ne vais pas m'attarder sur cette question, mais je crois que beaucoup n'ont pas compris qu'il y avait en fait une continuité entre l'histoire du Tanakh et le retour d'Israël sur sa terre, la terre promise. Vous voyez, et tu dis une chose très très juste, c'est que Israël est toujours au futur. Il y a accord, d'accord ? C'est l'histoire d'une évolution, d'un passage. On est toujours en train de passer des épreuves. D'accord ? Vous voyez l'histoire de Jacob, vous vous rappelez. Il passe le Yabok. Le Yabok, c'est Parkak. Je vous rappelle. Bête, couf, couf. C'était du passage. On passe toujours, on surmonte l'épreuve de l'anéantissement. Elle, évidemment, Yud et Yeshurun. Je fais la remarque suivante. C'est que Esav, regardez bien, Esav. Esav, lui, est un passé, regardez bien. Esav, c'est, on pourrait traduire comment ? Est-ce que quelqu'un pourrait me lire Esav de manière différente? Esav, c'est Assou. Comment? Assou. Assou, qui veut dire? Bah, nous sommes passés, ou pas, nous sommes passés. Exactement, ils ont fait, d'accord? Ah oui, ils ont fait. C'est-à-dire que
Et ça appartient au monde du passé, d'accord, qui est le monde de la mort. Je vous rappelle que la femme de Lot, d'accord, rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé en arrière. En arrière, elle s'est retournée donc, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous dit qu'elle s'est transformée en statue de sel. Voilà, statue de sel. C'est-à-dire, nous revenons à la notion de comment dire, de passivité, vous voyez, statique. Oui, d'ailleurs, elle s'est... pardon. Israël brise, bien, Israël brise les cadres d'histoire, d'accord, contrairement à la tragédie grecque. Vous vous rappelez que la tragédie grecque, il y a une lutte entre le héros grec, d'accord, et les dieux. Généralement, et ce sont les dieux qui l'emportent, les anges ou les dieux. Là, regardez bien, contrairement à l'histoire de ce soir, de Jacob, Jacob, lui, ne lutte pas contre des anges, il lutte contre lui-même. Il arrive, sa propre volonté, à briser le cadre de l'histoire. C'est-à-dire, en fait, il écrit l'histoire, voilà. D'accord, je crois que c'est important pour comprendre si la réalité d'Israël aujourd'hui. Absolument. Chaim. Ok, Chaim. Et une question? Non, oui. je voulais dire une chose. Oui. J'ai dit la descendance de 12 tribus, c'est non dans Israël. Oui. Alors, Israël aussi, c'est au futur, il rira. Okay. Et on voit aussi... Ishmael aussi, Ishmael aussi. Dans le nom de Jacob, on voit toujours le premier nom, la lettre du nom divin en lui. Parfait. Alors, attendez, je voudrais quand même continuer et finir le... Excusez-moi de vous couper. Je voudrais finir avec notre séminaire. Avec une diapo. Oui. Alors on va demander à Gaul Myriam Leclerc. Oui. Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Puis-je vous demander de demander de lire le texte, c'est possible? Celui qui est à droite, celui-là. Oui, alors voilà, on va finir ce soir, voilà, avec, regardez bien, on va conclure notre séminaire avec ces deux versets. Vayikra, Yaakov, oui. Shem, Amakom, Keviel, oui. Ki, Ra-i, qui Elohim, Panim, nous avons un P là, un P, avec Palim, un G à l'intérieur, oui, Panim. El Panim, Bati, Basel, oui. Naf, nous avons un nous. Rien, nous avons un nous. Si. Oh oui. Nafshi. Parfait, Myriam. Je reprends le verset. Vaikra Yaakov, Shem Hamakom Peniel, Kiraiti Elohim, Panim El Panim, Batinatsel Nafshi. Traduction, Myriam. Jacob appela ce lieu Peniel, parce que j'ai vu un être divin face à face et que ma vie est restée sauve. Alors, que voyons-nous là, Myriam? Je te pose la question, quel est l'intérêt de ce verset pour nous ce soir? C'est la confrontation et la bénédiction en même temps. Voilà. Ce que tout à l'heure nous disions tout à l'heure, rappelez-vous, et recevoir l'élection, très bien, il n'y a pas de problème. Il devait la recevoir de toute manière. D'accord? Non, Dieu donc demandera à Jacob, qui deviendra donc Israël, de surmonter donc l'épreuve. Encore une fois, je reviens sur l'épreuve du Yabok. Et qu'est-ce qui se passera? Jacob va surmonter l'épreuve. D'accord? Et donc il méritera la bénédiction, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et donc, il méritera donc d'avoir le
ce face à face avec Dieu. Vous voyez? D'où le nom de Péniel. La face, Péniel, qui voulant dire face, face à Dieu. Donc, il fera donc face à Dieu. D'accord? Je reste avec toi. Myriam, on va lire le deuxième verset. Donc là, voyons donc le rapport de Jacob avec Dieu. Nous allons voir le rapport de Jacob avec Esaü. Myriam? Oui. On va finir avec toi. Oui. Qui al ken ra i ti pan de ha panecha kir ot oui tene Elohim oui bâtir c'est parfait. Traduction. Puisque aussi bien j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et que tu m'as agréé. Oui, ça c'est, regardez bien ce que nous retrouvons. Vous voyez, nous retrouvons l'idée de face. D'accord. Jacob, Israël maintenant, d'accord, va voir, va rencontrer et donc Esav. Et qu'est-ce qui va se passer? Au miracle, si je puis dire, réconciliation entre les frères. On s'attendait donc, vous vous rappelez au début, on s'attendait, je reviens, tout à fait au début de notre séminaire, rappelez-vous, la crainte, Jacob. Mmh. Vous vous rappelez? Okay, finalement, okay. Grâce à cette victoire sur lui-même, regardez bien, au retour donc à sa propre identité, qui lui permettra finalement de recevoir, de légitimer, je vais dire, de légitimer la bénédiction, regardez ce qui se passe, et bien tout simplement, il aura donc réussi à conclure la paix avec son propre frère. C'est-à-dire que pour, il y aurait un point à développer là, c'est-à-dire, donc pour pouvoir faire la paix avec son prochain, notre ennemi finalement, d'accord, là j'élargis le débat, d'accord, il faut d'abord revenir à sa propre identité. Vous voyez, il ne peut y avoir de paix que si nous connaissons nous-mêmes. C'est ce que va faire Jacob. Et donc, cette victoire sur lui-même lui permettra non seulement de retrouver Dieu, d'avoir un face-à-face clair et net et direct, Yachar El, d'une part, mais de faire face à son propre frère, un face-à-face direct avec Esaü, Esav. Vous voyez, donc, alors qu'on s'attendait à une confrontation et à une guerre entre deux frères et deux frères ennemis finalement. Mais finalement, sans aucune arme, d'accord, Jacob, Israël, réussira à retrouver son frère et à se réconcilier avec son frère. Et regardez ce qu'il lui dit en plus. Il lui dit, très fort, regardez bien, il lui dit, qui alken ra'iti panera, kirot pene Elohim. Comme la face de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. Raïm. Donc ça oui. veut dire, tu as raison, parce que Israël doit d'abord forger son identité actuelle et compter sur lui-même et non passer par des réunions à l'ONU. Israël doit compter sur la Torah et à la fin, il fera la paix avec les nations, avec Dieu. Sans passer par des tables à l'ONU là-bas. Et d'ailleurs, pour... ça vaut mieux. Rakesha? Yes? Oui? Non, je dis simplement, ça vaut mieux. Ça vaut mieux, exactement. Mais regardez bien ce que dit quand même Bilham. Je reviens à ce que disait alors Bilham. Bilham a introduit un mot important, je crois, l'évadad. Regardez bien. L'évadad nous rappelle l'évado. Vous vous rappelez l'évado? C'est-à-dire Yaakov l'évado. Et Jacob restera seul. Finalement, dans l'histoire des nations, quand on analyse l'histoire d'Israël, Israël est relativement seul parmi les nations. Vous voyez, et même Bilham lui dira, mais seul dans quel sens seul? Dans le sens où Israël devra perpétuer sa propre identité. Et c'est lorsque nous aurons réussi à développer, à nous épanouir dans notre propre identité, que nous recevrons aussi la bénédiction des nations. Vous voyez? C'est-à-dire que l'universel, d'accord,
comment dire, il part à partir du particulier. C'est le particulier, ce qui est particulier à Israël, qui nous permettra de nous ouvrir à l'universel. D'ailleurs, Raïm, si je peux me permettre, quand Jacob est complètement Israël, il n'a pas grand-chose à craindre des nations. Par contre, quand il devient trop Esav, c'est là qu'Esav devient le plus agressif envers lui. Et bon, enfin, je voudrais pas empiéter, mais j'ai l'impression que le juif assimilé fait plus peur que le juif religieux, en fait, dans le monde. Ok, ok. Je note, hein, je note. Oui, enfin là, moi, je suis pas d'accord avec toi. On note, hein, je note, j'écoute, hein, je suis là pour écouter. Ok. Oui. Attendez. J'ai une question à poser. Oui, si, bonjour, pardon. Si Jacob a lutté seulement contre lui-même, qui lui a déboîté la hanche alors? C'est ce que je voulais demander. Oui, là, c'est une grande, une grande question. Je vous avoue ne pas avoir de réponse, d'accord? Ce soir, on a proposé une interprétation. Il y a évidemment d'autres interprétations. Je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a donc deux grands sages, le Rambam et le Ramban, Maïmonide et Nachmanide, qui s'opposent sur cette question. D'accord? Si vous le voulez, et certains disent qu'il y a eu un ange, c'est bien un ange, d'accord, physique, il y a bien eu un combat physique entre un ange qui serait donc venu du ciel et qui aurait donc combattu contre Jacob. Jacob donc l'aurait emporté. D'accord, ça c'est Nachmanide qui dit cela. Nachmanide. Maïmonide lui dit non. Maïmonide dit qu'en fait il s'agirait d'un rêve au cours duquel donc Jacob donc aurait serait battu avec lui-même. D'accord. Ce soir j'ai plutôt pris le sens de Maïmonide. Du grand sage Maïmonide, plutôt que de Nachmanide, on aurait très bien pu développer le séminaire à partir du commentaire de Nachmanide. J'en conviens parfaitement. D'accord? Et là, en effet, l'ange est apparu. Il y aurait donc une lutte physique entre l'ange et Jacob. C'est quand même bien dit après que quand il a traversé Péniel, il boitait. Il boitait, oui. Il boitait, tout à fait. Et c'est pour cela que voilà, ce qu'on appelle quand le guide anaché. Pas, mais... voilà, voilà, exactement. On ne mange pas, donc cette partie donc, de l'animal, ça fait en raison de cette lutte avec l'ange. C'est une question qui reste ouverte, j'en conviens. Il n'y a pas de réponse, je dirais, rationnelle, d'accord, à votre question, mais elle vaut d'être soulevée. Mais ça fait partie de ces versets bibliques dans lesquels il n'y a pas de réponse. Ce sont des qu'on appelle ça des Hukim, exactement. Des Hukim, c'est ça, voilà. Exactement. Il y a, on reviendra sur ces questions de Hukim, de lois qui n'ont pas d'explication rationnelle, en particulier la cacheroute. Ce sera un sujet que nous pourrons traiter. Et la vache rousse. La vache rousse aussi. Très bien. Est-ce que vous auriez une dernière question? Shalom. Ok, en tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir été présent ce soir. Raïm, oui. Je vous ai envoyé mon email, mais je n'ai pas encore de réponse. C'est arrivé. Tu m'as écrit la semaine dernière, il y a 15 jours de cela, j'ai répondu à ta question. Ah, et les diapos Oui, je t'ai envoyé. Hein. Tu n'as peut-être pas reçu, j'ai envoyé à tout le monde. Hein. Ah bon? Oui, oui. Je te renverrai, il n'y a pas de problème. Vous me faites la demande, je vous renvoie. Ok. D'accord, tu me renvoies un mail sans problème. D'accord, je vous envoie le diaporama de ce soir, il n'y a aucun problème. D'accord. Oui, Judith. Tellement ce combat avec lui-même lui permet de recevoir l'image de son frère, de son prochain, comme l'incarnation de Dieu, et je trouve que il y a quelque chose de très proche avec ce que Paul dans les premières communautés chrétiennes disait, que au final, de gloire en gloire,
pouvoir arriver à voir dans le visage de l'autre le visage du Christ. C'est un peu la même façon après une quête spirituelle de pouvoir se rapprocher tout simplement de son prochain. Finalement, cette réconciliation, elle le ramène. Bon, bien sûr qu'il est réconcilié avec Dieu, mais il n'était pas fâché avec Dieu. La bénédiction, il l'avait, mais la grande victoire, c'est de pouvoir justement voir dans le visage de son frère le visage de Dieu. C'est parfait, je crois qu'on n'a rien à rajouter de ce que tu viens de dire. Je peux ajouter quelque chose. Moi, je pense que par rapport à ce que toi tu as dit après, c'est qu'il faut pouvoir s'assumer pleinement. Il a assumé, il a quitté ses craintes, quitté ses peurs, quitté ses angoisses. Et il a reçu la bénédiction parce qu'il a accepté aussi cette bénédiction et il l'a su. Donc il est prêt à faire face à son frère, comme à l'Éternel d'ailleurs, parce qu'il est prêt à assumer cette... Et Dieu, le passage de ce qu'il a reçu et de sa personnalité. Et dans l'histoire de la Bible, Dieu choisit toujours le petit. Comme il avait choisi David malgré ses péchés, toutes les fautes qu'il a pu faire, et comme il a pu malgré tout bénir le petit. Et je pense que peut-être que le message ici aussi est de se rendre compte que pour que Dieu puisse nous toucher, il faut accepter d'être en ouverture, et que l'ouverture on la trouve dans l'acceptation de la faiblesse qu'on peut avoir. Il n'y a pas qu'un mérite. Merci. De combat. C'est parfait. En tout cas, on restera sur ces paroles. Merci à vous tous, en tout cas. Je tenais à vous remercier à vous toutes et à vous tous. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver à chaque fois, à chaque semaine. Encore une fois, je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas pu intervenir et lire ce soir. Et j'espère en tout cas vous retrouver dans 15 jours pour un prochain webinaire, un prochain séminaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous le voulez. Et pour avoir le diaporama, si vous le voulez, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'aurai un grand, grand plaisir à y répondre. Ok, Toda Rabba, Raïm. Toda Rabba. Merci beaucoup, Raïm. Alors, merci, au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir, Michel, au revoir tout le monde. Au revoir, Shalom les Koulam.